Rebonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Donc ici nous sommes sur la plage de Fumbuni. Vous voyez, c'est ici qu'il y aura notre volet. Cette belle plage qu'on a ici. On a la chance d'avoir cette belle plage. Je me déplace pour aller à Fumbuni, à Tsoha plutôt. Je vais aller voir ce qu'il y a à Tsoha. On m'a dit apparemment qu'il y avait beaucoup de déchets à Tsoha. La beauté de Mayotte, plage de Fumbuni. Le rendez-vous est le 30. Et je vous demande de participer sur la cagnotte pour Betsa. Vous voyez, il est là, Betsa. De participer à sa cagnotte, Betsa et Bakwali. Car voilà, c'est un moment de partage collectif. Alors, nous allons à Tsoha. On m'a dit que les gens qui font les barbecues à Tsoha ont beaucoup laissé des déchets. Il y a trop de canettes à Tsoha. Et on va aller voir dans quelle ampleur Alors, est-ce que c'est la marée montante ou pas? Je ne sais pas si c'est la marée montante ou marée basse. Ah, on va aller à Soussouya. On va aller à Soussouya, sinon. C'est cool ça.
Son gros main. Alors, qu'est-ce qu'on a là-bas? Je vois du monde d'ici. Alors, ici, on a une petite plage là. Le bruit de la mer! Alors. Il y a déjà du monde ici. Voilà, celle-ci, c'est la plage de Tsoa. Bane anahanao wakati wa shuni ule wakati wa mtubwa maizi lero watu wakubula mitubwa mwono shtwini mtubwa shuni wamwasida asubuhi uzagwa kamwe direct nashtu ya piubaku mbana kapara ideni ama Watu wa bibulu ya mitubwa. Haa, inba kwa kutia hilaini. Tuwa kubulu wa shuwa nita masiri ya mtu wa kumla.
Bon, on va regarder l'état de la plage. Donc les gens qui viennent faire leur barbecue ici. Là, c'est le coin préféré de Beta. Il vient de temps en temps rester là. Le coin de Beta. Donc ici, on a les déchets et les jeunes qui viennent faire les barbecues ici. Quand vous avez fini de faire vos barbecues, ramenez vos déchets sur la route. Ramenez vos déchets sur la route. Parce que ça c'est pas possible, ça, là, ce que vous faites là. Les gens qui viennent à la plage de Toha et faire ça là, c'est pas normal de voir ça. Ça, c'est pas normal. Donc, c'est vraiment du n'importe quoi. Hein, il n'y a pas de respect ici. Les gens viennent et font n'importe quoi. Maintenant, c'est devenu dégueulasse. Ça devient sale. Donc, s'il vous plaît, vous êtes priés quand vous venez à la plage de Toha de ramener vos déchets. D'accord? Ramenez vos déchets. Parce que si vous en ramenez pas, il va y avoir une accumulation. Et l'accumulation fait que il y a une grosse pollution qui se crée. Hein. On voit ici l'ampleur. Voilà. Donc on voit ici l'ampleur. Les gens, ça c'est les gens, hein. Ils jettent partout. Alors s'il vous plaît, quand vous venez faire vos voulets à Toha ou la plage de Fumbuni, ramenez vos déchets avec vous. Ramenez vos déchets avec vous parce que là vous dégueulassez les plages de la commune de Mtsamboro, parce que c'est les plages de la commune de Mtsamboro, Toha, Fumbuni, etc. C'est les plages de Mtsamboro, d'accord? Donc, sur ce, je vous laisse sur ces mots, de vous dire, quand vous venez ici chez nous, respectez, et ceux qui iront aussi chez des gens, respectez aussi, d'accord? Respectez l'environnement. Il est important de respecter l'environnement pour ne pas dégueulasser et polluer comme c'est ici. Je vous en remercie.